Debout les audacieuses, il faut profiter de cette dernière journée à la villa. Elle a dit qu'elle n'aime pas se laver comme ça, comme ça. Elle aussi a dit qu'elle n'aime pas gaspiller l'eau puisque l'eau est source de vie. Mais moi, personnellement, c'est la paresse qui incite tout ça. Sinon, quand tu te laves, le vent qui vient sur toi, sur le vent. Tu es à l'aise. Papa, tu connais. Les porcs se libèrent, même ton cerveau. En fait, avant de commencer quelque chose, on dit, écoute, parfois, il faut que les propos qui sortent de ta bouche soient plus aigus. Écoute, non, je vais terminer. Écoute, quand tu parles ton français terre à terre, j'essaie de te comprendre. Donc toi aussi, tu dois essayer de comprendre quand je parle. Voilà, elle a raison, Jo. Parce que je ne sais pas du fait que tu ne te pousses pas à faire comme moi, donc ne me pousse pas à faire comme toi. La copie de Baudelaire. Ça, c'est la copie de Baudelaire. Non, elle a dit un autre nom, Chirac, et c'est pas quoi. Pourquoi je ne sais pas. Voilà, elle a dit que ceci n'était pas mort. Elle allait les voir. J'allais tout faire. Et non, ma chérie. Elle n'allait pas tout faire. Elle allait tout faire. Il y a certaines filles qui disent que je glaceille trop. Mais je comprends pas. Où est le problème? Chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. C'est pas un crime. Je n'ai jamais vu dans un état que glaceiller, c'est un crime. Si elles se sentent mal à l'aise avec ma manière de parler, c'est leur problème. Mais j'ai prouvé que m'était. Je suis sûre. Oui. Avec toutes les R que tu alignes. On dit une personne qui ne sait pas qu'on la corrige, c'est une personne qui ne peut pas évoluer. Mais ça me plaît. Donc, non, je voulais aussi te dire, c'est vrai, on corrige, mais c'est un moment, il faut t'arrêter. Parce que tu peux me corriger en privé, mais me corriger en public, c'est m'humilier. Voilà. Donc, moi, si je vais te corriger, Raki, je vais t'appeler, je vais dire, Raki, c'est pas comme ça. Je vais pas le faire devant tout le monde. Mais attends, quand tu fais une erreur, tu l'as faite devant tout le monde. Ouais. Donc c'est devant tout le monde, je te dis, ah, par exemple, tu as dit, attends, je vais terminer. Tu peux dire un père. Oui. Devant tout le monde. Père. Attends, tu me laisses parler. Oui, c'est tu peux dire un père. Parce que j'ai l'habitude de faire ça. Oui. Tu as dit ça devant tout le monde. Je ne sais pas quand on va sortir pour dire, ah, ma camarade, tu as dit un père. On ne dit pas un père, on dit un père. Un père. Je sens un petit peu de moquerie, mais ce qu'elles oublient, c'est que moi, le jeu de bissap, c'est mon jeu préféré. Donc, les moqueries, c'est un peu comme du jeu de bissap pour moi. Je m'en contrefiche. Je suis venue ici pour un objectif à atteindre et c'est ce qui m'importe. Je suis pas venue pour me faire des amis, je suis pas venue pour me faire des familiarités. C'est mon agent qui m'intéresse, mon projet, c'est tout. Je me confonds en fait aux autres. Mais mon apparence, les reins quand même. Mais ici, est-ce que toujours perplexe. Est-ce qu'on a jugé Maggie par rapport à son apparence? Même si la personne ne l'a pas dit non, dites la vérité. Non, non. Est-ce que quand vous avez vu Maggie, quelque chose, c'est là. Est-ce que franchement, quand c'est dit la vérité? Franchement, en fait. Tu as dit quoi? Quand j'ai vu son tatouage sur les cuisses là, j'ai dit ça fait vulgaire. Voilà. Par exemple. Vraiment, j'ai bien pensé ça. J'ai dit comment une femme peut se tatouer dans son milieu des cuisses. En fait, je comprends. Toujours dire que c'est ton avis. C'est ton comprends. C'est ton avis, c'est normal que tu te dises ce que ça, pour toi c'est vulgaire, mais pour elle c'est sexy. Ce que tu penses là, en fait, ce n'est même pas sexy pour moi en fait. Après, je pense que j'ai dit à quelques-unes d'entre vous que tous mes tatouages ont un sens. Parce que je ne sais pas si c'est laquelle qui m'a demandé pourquoi ton tatouage là, genre le tatouage ça te fait mal. Je dis le tatouage il fait mal, mais ces tatouages ont un sens pour moi.
et ils sont bien placés pour moi. Mm-hmm. Pour, peut-être pour les hommes, ça fait sexy de voir que je suis tatouée là. Ils ne savent pas pourquoi. Il y a d'autres personnes même qui se disent, ouais, c'est parce qu'elle avait jeté entre les jambes, peut-être elle a tatoué là. Il ne s'agit pas de tout ça. Cette plume a une importance mentale pour moi, en fait. Makale, c'est une fille que j'aime bien. C'est le genre de fille qu'on juge tout de suite par l'apparence. C'est-à-dire la fille sexy qui a des tatouages partout, qui a une coiffure un peu bizarre. Quand on voit ce genre de fille, on la catégorise immédiatement. Mais au fond, c'est une fille bien. C'est une fille qui a quitté son pays, qui est venue s'installer dans un autre pays dans le but de réussir sa vie, d'apporter quelque chose à sa famille et par elle. Ce que je voudrais qu'on comprenne, qu'on arrête de juger, que ce soit les femmes ou les hommes, par l'apparence. Pour ces dernières journées, les audacieuses reçoivent une formation qui, on espère, ajoutera un plus à leur jeune carrière d'entrepreneur. Merci à notre partenaire FCOM, booster des femmes entrepreneurs, pour ce bel entretien. Bonsoir les filles. Bonsoir. C'est Eleonore. Enchantée ma chérie. Je suis Eleonore Aloko et entrepreneur en marketing communication digitale. Je travaille pour le booster des femmes entrepreneurs à travers une plateforme qu'on appelle FCOM, Femmes Cordon d'Unité du Monde, spécialisée dans le marketing et dans le leadership féminin. Donc voilà, moi je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis sollicitée par Miss Audace. C'est un honneur pour moi, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, nous allons traiter sur plusieurs sujets. Quand on parle d'autonomisation, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi un entrepreneur? Les aptitudes d'un entrepreneur? Comment faire pour être autonome? C'est bon? D'accord. Donc, on va décoller ensemble. C'est nous qui allons changer notre vie. Comment être autonome? Ok. Qu'est-ce qui est inscrit? L'entrepreneuriat. Voilà. Toi, si tu es ici aujourd'hui, tu veux être autonome par l'entrepreneuriat. Avant de tourner la page, on va se demander c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est une création de la valeur. J'apporte de la valeur. Non pas seulement à moi, mais à mon environnement. Je réponds à un besoin. Mais ce besoin ne doit pas être là pour être là, il doit satisfaire. Miss Audace 2020, c'est une très belle aventure. J'étais ravie d'être invitée pour la formation sur l'autonomisation de la jeune femme par l'entrepreneuriat. Avec nos savoirs, on a essayé de partager des connaissances qui vont permettre à ces jeunes femmes, au nombre de 7, qui vont leur permettre de structurer et de mieux connaître leur activité. Donc, je leur souhaite beaucoup de courage dans la lancée entrepreneuriale. Je demande vraiment de beaucoup travailler, d'être discipliné et d'être autodidacte. Un entrepreneur, c'est celui qui sait chercher et aller vers les informations. Et maintenant, place à la préparation de la grande finale. Et oui, ce soir, les audacieuses devront défendre chacune leur projet devant un jury. Les candidates seront aussi notées sur une présentation digitale d'un plan commercial et marketing de Monviso, le partenaire officiel des jeunes femmes audacieuses. Bonne chance les filles! Celle de 0,5 litres est à 400 francs et à 400 francs et celle de... Hein? C'est 1 mètre. Il dit 1 mètre. 1,5 litres. Tu me passes l'eau, s'il te plaît. Avec mon visio, on est à l'aise. Audace.
Ha ha ha.